Chers amis, bonsoir. Bonsoir, très content de vous voir connectés ce soir. C'est avec une joie particulière que voilà, je vous retrouve ce soir pour parler avec vous de quelque chose d'assez particulier, quelque chose d'assez, comment dire, d'assez important. C'est dans le cadre de ce programme que je vous propose qui est décryptage. Donc, dans cette émission de décryptage aujourd'hui, je vais vous démontrer pourquoi est-ce que le gouvernement camerounais est clairement en train d'abandonner la lutte qu'ils ont organisée du côté du Nozo. Bien entendu, je ne le dirai pas en improvisant la vérité, je le dirai comme le nom de ce programme s'intitule Décryptage, en décryptant une vidéo que vous connaissez nombreusement, qui a été répandue sur la toile, qui a été republiée, retransmise dans les quatre coins du monde. Il s'agit d'une vidéo du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Paul Attanguandi, que vous connaissez, que je ne présente plus ici. Vous connaissez le personnage de par sa vélicité, de par son aspect vénal, de par son caractère froid, méchant et sadique. Donc, plus besoin de revenir sur ces notions définitionnelles du personnage. Donc, ce soir, avec Paul Attanguandi, nous allons essayer donc de faire un décryptage assez clair, concis, pour que vous compreniez à quel niveau le gouvernement camerounais est en train quasiment d'appeler la communauté internationale, ses partenaires internationaux au secours. Pourquoi je le dis? Sur quoi je me base? Retrouvons-nous juste derrière ce petit, voilà, ce petit espace musical et après on va relancer juste avec la vidéo et vous aurez le temps donc d'apprécier la quintessence même de ce décryptage. Voilà, ça fait exactement quelque temps déjà que tout ce que vous connaissez sur le plan étatique au Cameroun ont engagé en quelque sorte, voilà, disons, ont engagé au Cameroun une quelconque guerre que nous pouvons appeler aujourd'hui la guerre du Nozo. Avec des personnages comme Paul Attanguandi, il n'est plus besoin aujourd'hui de revenir sur le caractère méchant, avilissant et trouble du gouvernement camerounais ou bien du rôle que ce dernier a joué dans l'évolution de la guerre que nous connaissons au Nozo. Je rappelle ici que plus de 20 000 personnes sont déjà mortes, à en croire les chiffres qui nous ont été donnés par certains correspondants du Cameroun et certaines organisations directement basées au Cameroun. Dans cet entretien avec vous, vous aurez bien entendu la possibilité d'intervenir en contribuant d'une façon simple, c'est-à-dire en cliquant sur le lien que je vais faire apparaître là dans un instant, le temps que je le prépare. Vous pourrez donc ipso facto intervenir dans ce direct en apportant donc votre contribution en termes de participation. Je vais poster le lien là juste au bas de votre écran. Il vous suffit de cliquer là-dessus pour nous rejoindre dans ce direct et échanger donc avec nous dans cette thématique qui est axée autour d'un décryptage par rapport à ce qui se fait au Cameroun, par rapport à ce qui est dit, ce qui a été dit par le personnage Attanguandi. Voilà, donc une fois dit, je vais donc me lancer dans cet entretien avec vous. Comme d'habitude, vous connaissez la séance traditionnelle de salutation. Je vais saluer Déborah Gisèle Atouba qui est là. Je salue Hubert Moumaha. Je salue Flora Komek qui est là. Salut à toi Flora, très content de te voir. Je salue Harry Tchekam. Je salue Olivier Feudio. Je salue Martial Nadeux, je salue Stevie Sam moi-même. Je ne vois pas tous les noms ici, je vais continuer de mon téléphone. Je salue Eric Njomo, je salue Jeanne Yaïdjo, je salue Diderot Tchansi, je salue Sibafeu Nana, je salue Couleur Aqua, je salue, c'est quoi, appel manqué, je salue Katika, je salue Hubert, je salue Maë Saliou, je salue Noob Queen, je salue Joseph Meki Malon, je salue Topin Fabien, je salue JRK du Cameroun, je salue Bête Mojo, JVPN VPN, Jacqueline Chomny, je la salue, je salue Lion Dedier, je salue Aurélie Boisson, je salue Santal Bianda, Siemen, je salue Zaché Wanja Nyamejo, Mojo Berthe, Lucie Luciano, Martial, Mike Kamdem, Soudi Mahamadou, Martial Nadu encore, Nana Guy Bertrand, je te salue, je salue Joseph Noubissi, Sylvienne Flore, je salue Thierry Fonguin, Happy Kwe, je salue Asuel Fokanga, je crois, j'espère que je n'ai pas écorché ton nom, Cyril Mbasségué, Joe Marc et tous ceux qui sont en train d'arriver, vous comprenez ipso facto que je ne pourrai pas lire tous vos noms. Partager cet entretien, partager cette communication, ramener du monde,
surtout participer à l'émission en cliquant sur le lien qui est épinglé juste là au bas de votre écran. Alors, mon nom c'est Stevie Sam, très content de venir ce soir avec ce nouveau programme qui est axé autour du décryptage. Je m'y suis déjà essayé, ça fait quelque temps, vous savez, et je vous avais dit à chaque fois que je verrai, à chaque fois que vous verrez des discussions, des interventions télévisuelles et radiophoniques au Cameroun qui pourraient susciter un peu d'intérêt sur le plan analytique, sur le plan du décryptage, n'hésitez surtout pas à venir pour que nous échangeons et que nous essayons ensemble de faire un décryptage assez bien pointu. Alors, pour que nous allions plus vite, je vais, sans toutefois tarder, vous proposer quelques éléments déjà de l'entretien que le ministre de l'administration territoriale, le MINAT, comme on l'appelle au Cameroun, a organisé. C'était du côté de la CATV, le poste de la télévision, c'est-à-dire Cameroun Radio Television du Cameroun, vous savez, la télévision nationale camerounaise, dans le cadre de ce qui s'est passé du côté de Koumba, vous savez, l'assassinat des enfants qui a été organisé du côté de Koumba, qui a laissé le Cameroun totalement abasourdi, au dépourvu. Et c'est quelque chose qui demandait quand même un certain regard objectif des ministres de l'administration camerounaise, du gouvernement camerounais, de la personne du président, entre guillemets, de facto, Paul Biya, qui n'a pas jusqu'ici agi. Donc, dans cet entretien, je reviendrai sur son absence. Je prendrai le temps de dire comment est-ce qu'on peut interpréter l'absence factuelle de Paul Biya sur le terrain de Koumba et tant sur le plan argumentatif que sur le plan physique. Nous n'avons pas eu voilà, la sortie du président de facto Paul Biya. Donc, à cela, j'ajoute déjà merci, un merci particulier à tous ceux-là qui soutiennent la chaîne. Je salue et j'envoie ici mes salutations distinguées et particulières à tous ces amis-là, cadres journalistes du Cameroun. Je passe un salut particulier à tous ces journalistes du Cameroun qui n'hésitent pas à appeler constamment pour envoyer des informations, à appeler pour envoyer leurs propositions et donner leur soutien à ce média que vous avez aujourd'hui en face de vous. Donc, je dis merci déjà à tous ceux-là et celles-là qui sont là ce soir. Nous allons sans plus tarder aller regarder du côté de la CATV quelques éléments, quelques moments forts de cet entretien avec Paula Tanganji. Que voilà. Rémi, des enfants sans armes massacrés le 24 octobre dernier au sein de leur établissement à Koumba, dans la région du Sud-Ouest. Une innocence arrachée, des rêves brisés. La nation meurtrie s'est arrêtée ce samedi 31 octobre, décrété jour de deuil national pour ces sept anges. Les Camerounais se lamentent à travers le pays, mais aussi sur ce plateau de scène de presse, où nous rejoignent le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, et Albert Djembonde, le chef du service politique du poste national de la CRTV. Messieurs, bonsoir. Alors, monsieur le ministre, commençons par le point de l'enquête. Une semaine pratiquement après le drame de Koumba, on sait qu'il y a eu des neutralisations, mais il y en a eu combien? Et est-ce qu'on en sait un peu plus sur ces tueurs présumés et les donneurs d'ordre? Merci pour la question. À ce stade, il est encore prématuré, n'est-ce pas, de donner les détails. Vous savez que dans le message de condoléances du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, aux familles endeuillées, le chef de l'État prescrit une enquête approfondie. Et puis, cette enquête a été confiée au ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense. Ses équipes sont à pied d'œuvre. L'autre jour, je crois que le ministre de la Communication a rendu public un détail sur des personnes qui ont été neutralisées. Les enquêteurs sont à pied d'œuvre, ils sont en train de travailler. Les terroristes seront traqués dans leur dernier retranchement. Ils ne pourront pas fuir parce que c'est un crime crapuleux. Je parlerai même d'une effroyable boucherie. Les jeunes enfants à la quête du savoir qui ont été brutalement assassinés, c'est inacceptable. Vous savez que l'éducation est un droit inaliénable que l'État accorde aux enfants et que l'État garantit à tout le monde. Et l'enquête ira jusqu'à terme. Et je peux vous dire qu'il y a de très bons résultats qui attendent cette enquête. Alors, monsieur le ministre, vous avez parlé de boucherie dans un établissement scolaire. Pourquoi un établissement scolaire et précisément pourquoi celui-là? Alors, vous savez, les terroristes prêchent l'obscurantisme. Il n'y a pas de logique. Ces terroristes, c'est des êtres véreux sans foi ni loi.
Et vous savez que le problème avec le terrorisme, c'est que, en fait, la sécession a échoué. Le président de la République a gagné cette guerre contre les sécessionnistes. Et les sécessionnistes ont voulu prendre en otage l'école. Ils prêchent le boycott de l'école, les filles sont violées, les parents sont tués, et puis on distille des menaces, les messages de menaces. Mais alors, cette année, les choses ont changé. Ça veut dire que quand vous regardez les rapports des gouverneurs de des régions, on constate quand même que la rentrée scolaire 2020-2021 était un succès sur tous les plans. Et vous voyez qu'à 10 jours de la rentrée scolaire, il y avait pratiquement 300-400 000 élèves dans les écoles, ce qui n'était pas le cas des années antérieures. Alors donc, qu'est-ce que les terroristes veulent faire? C'est-à-dire assassiner les enfants pour distiller la peur. C'est-à-dire, comme il y avait déjà cette dynamique où les parents ont décidé d'accompagner les enfants à l'école, il fallait donc briser cet élan de succès. Donc je crois que c'est ça le problème. C'est là où se trouve le problème. C'est que l'année scolaire était vraiment un succès. Et nous avons des statistiques des années antérieures. Et alors, comme les terroristes ont toujours voulu prendre l'école en otage, cette fois-ci, ils ont constaté que ça n'a pas marché. Donc il fallait poser cet acte odieux, n'est-ce pas, pour faire peur aux enfants, en quelque sorte perturber, n'est-ce pas, cette dynamique qui était déjà en train de prendre corps. Mais nous leur disons que l'État ne sera pas ébranlé. Monsieur le ministre, vous avez parlé de la peur. Nous avons ce phénomène de propriétaires des établissements scolaires qui se sentent obligés de donner de l'argent aux séparatistes. Et pourquoi pas dire aux Il est important pour vous qui me suivez, pour tous ceux qui sont connectés là, de comprendre ici l'importance de la première partie. Il est fondamental que vous compreniez l'importance de cette première partie parce que là, effectivement, pour la Tangandi que vous voyez qui est là, il est à ma gauche ou à votre droite, dépendamment de votre position, explique en quelque sorte le caractère méchant, machiavélique des terroristes. Il faut que vous compreniez l'importance qu'il y a dans le fait, dans l'appellation qu'Atangandi donne à ceux-là qu'il considère comme étant des terroristes. Je préfère, excusez-moi de modifier l'écran en même temps que je parle avec vous. Donc, à ce niveau, il est important que vous compreniez que Paul Atangandi n'appelle plus ces individus des sécessionnistes. Il les appelle des terroristes. Et dans la définition qu'il apporte dans ce qui s'est passé à Kumba, Paul Atangandi se place maintenant dans le camp des victimes. Et il faut comprendre que c'est quelque chose d'harcèlement, d'extrêmement nouveau dans la communication gouvernementale au Cameroun. Il faut ajouter à ceci que ce n'est pas le premier cas que le Cameroun connaît. Je vous rappelle qu'il y a eu des morts au Cameroun, telles que celles de Monique Oumaticaine. On n'a pas vu le gouvernement faire une communication dans le sens où il se plaçait dans la position des victimes. Il faut comprendre qu'après la mort de Monique Oumaticaine, on a connu d'autres morts vraiment exécrables, comme celle d'un Ngabu. Ngabu, je vous rappelle qu'un Ngabu avait mis le monde entier dans l'émoi. Le monde entier s'était stoppé, s'était arrêté, alors qu'on voyait des enfants brûlés avec leur mère, tués, des personnes à l'hôpital, attendant d'être soignées, d'être ramenées à un état de santé. Comment dire, à un état de santé, à un état fonctionnel, humain, qui ont été lâchement tués. Je vous rappelle qu'à ce moment, Atangandi occupait les mêmes fonctions qu'il occupe aujourd'hui. Mais à ce niveau, on n'a pas entendu Paul Atangandi sortir pour dire comment dire ça, son indignation vis-à-vis de l'action qui avait été posée en Gabu. Alors, pourquoi est-ce que l'action qui s'est posée du côté de Kumba se démarque donc des actions qui ont été perpétrées jusqu'ici. Je vous rappelle qu'il est important de comprendre que depuis un certain moment, il y a des vidéos qui passent sur les réseaux sociaux dans lesquelles on voit clairement des personnes décapitées, démembrées, déshumanisées, utilisées comme du bétail, qui sont découpées à la machette dans les parties du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, ce qu'on appelle communément le Nouveau. Et il est important que vous notiez ici que Atangandi, parlant d'eux comme terroristes, est en train de relever ici le fait que la population du Nozo, la population du Nord et du Sud-Ouest Cameroun devrait donc mettre dans ces personnes
dans ce qu'on appelle dans un espace où bien devrait les redéfinir comme étant des terroristes et non plus des sécessionnistes. Il fait donc une définition différente de sécession et de terrorisme. Et je vais vous amener à prendre le temps d'écouter ce qu'il dit, parce que c'est là que tout est dit. C'est là que tout est expliqué. Sont à pied d'œuvre, ils sont en train de travailler. Et les terroristes seront traqués dans leur dernier retranchement. Ils ne pourront pas fuir parce que c'est un crime crapuleux. Je parlerai même d'une effroyable boucherie. Les jeunes enfants à la quête du savoir qui ont été brutalement assassinés, c'est inacceptable. Vous savez que l'éducation est un droit inaliénable que l'État accorde aux enfants et que l'État garantit à tout le monde. Et l'enquête ira jusqu'à terme. Et je peux vous dire qu'il y a de très bons résultats qui attendent cette enquête. Alors, Monsieur le ministre, vous avez parlé de boucherie dans un établissement scolaire. Pourquoi un établissement scolaire et précisément pourquoi celui-là? Alors, vous savez, les terroristes prêchent l'obscurantisme. Il n'y a pas de logique. Ces terroristes, c'est des êtres véreux, sans foi ni loi. Et vous savez que le problème avec le terrorisme, c'est que, en fait, la sécession a échoué. Le président de la République a gagné cette guerre contre les sécessionnistes. Et les sécessionnistes ont voulu prendre en otage l'école. Ils prêchent le boycott de l'école, les filles sont violées, les parents sont tués, et puis on distille des menaces, les messages de menaces. Mais alors, Voilà le nerf de la guerre. Donc, si vous avez pris le temps d'écouter clairement ce qui a été dit par Tangandi, vous verrez que dans cette allocution qu'il vient de tenir, il fait comprendre à la journaliste qui est en face de lui et aux journalistes que c'est parce que le gouvernement camerounais francophone a gagné la guerre que les sécessionnistes ou bien les terroristes, comme il dit, ont décidé de prendre l'école en otage. Il est important que vous compreniez ça. Ça veut dire que c'est une relation de cause à effet. La cause, c'est quoi? C'est que le gouvernement camerounais francophone a gagné la guerre. Et la partie sécessionniste a donc décidé d'agir en terrorisme, en terroriste, en prenant en otage l'école. Je vais donc retraduire ça sur le plan communicationnel pour que vous compreniez. Ça veut dire, il y a une guerre de communication qui opposait la partie anglophone, la partie nord et sud-ouest camerounaise, et la partie francophone dirigée par le gouvernement que vous connaissez à Ethiopie. Alors, dans cette guerre, l'objectif du gouvernement devient donc plus clair aujourd'hui. Parce que si vous avez pris le temps de suivre cet entretien, vous pouvez donc désormais comprendre exactement les objectifs et les enjeux qui se déroulent, que représente le NOSO aujourd'hui. Ça veut dire quoi? L'objectif du gouvernement était de masquer, de faire ce qu'on appelle une omerta sur tout ce qui s'est passé dans le NOSO. La guerre, donc, était quoi? D'empêcher qu'on parle du NOSO. D'empêcher de se rendre compte, d'empêcher au peuple camerounais, tant du Cameroun et de la diaspora, de clairement voir le problème anglophone, de voir le problème du NOSO comme étant un problème camerounais et non un problème des anglophones. Il était donc question de masquer, d'empêcher qu'on en parle. Et ce qui s'est donc passé du côté de Koumba a donc braqué l'ensemble des caméras, l'ensemble des yeux, des regards du monde, des Camerounais à la fois du Cameroun, d'Afrique et du monde entier, et aussi ceux de la communauté internationale et des organisations non gouvernementales qui observaient le Cameroun juste du coin de l'œil, qui à partir d'aujourd'hui donc, à partir de ce qui s'est passé à Koumba, ont donc ouvert les yeux et le regard sur le Cameroun pour indexer le gouvernement camerounais et lui dire clairement que là, il y avait atteinte ou bien franchissement du Rubicon. Donc, la présence d'Atangandi sur les réseaux, sur le plateau de la CATV, à ce niveau, je vous donne une analyse claire. Je peux vous dire donc de façon froide que si Atangandji a décidé de prendre la parole, parce qu'en tant que ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, il n'est pas forcément le plus à même de prendre la communication à ce niveau, puisqu'on a un ministre de la communication qui, au Cameroun, entre guillemets, est le porte-parole du gouvernement, qui aurait dû prendre la parole donc, pour expliquer clairement aux Camerounais ce que Atangandji essaie de vouloir nous expliquer. Donc, dans cette maladresse gouvernementale, dans cette maladresse communicationnelle gouvernementale du Cameroun, il ressort donc quelque chose de clair, c'est que, après ce qui s'est passé à Koumba, le gouvernement a été
gravement attaquée par les communautés, par la communauté internationale, par les organisations non gouvernementales. Human Rights Watch, Transparency International, Amnesty International et j'en passe. Ça veut dire que les droits de l'enfant ont été bafoués au Cameroun et cela a attiré le regard de la communauté internationale qui a tapé du poing sur la table. Et à ce moment, il fallait absolument que quelqu'un prenne la parole pour défendre le Cameroun en faisant donc apparaître l'action comme étant une action qui échapperait au contrôle de l'État. Et quelles sont les actions donc qui peuvent échapper au contrôle de l'État? Eh bien, Atanganji va nous le dire. Donc, suivez, vous allez voir comment Atanganji va justifier ce qui s'est passé à Koumba en prétextant ou bien en parallélant, en mettant en relation ce qui s'est passé à Koumba avec les actions terroristes que le monde entier a connues. Donc, je vous laisse continuer. Les choses ont changé. Ça veut dire que quand vous regardez les rapports des gouverneurs des régions, on constate quand même que la rentrée scolaire 2020-2021 était un succès sur tous les plans. Vous voyez qu'à 10 jours de la rentrée scolaire, il y avait pratiquement 300-400 000 élèves dans les écoles, ce qui n'était pas le cas des années antérieures. Alors donc, qu'est-ce que les terroristes veulent faire? C'est-à-dire assassiner les enfants pour distiller la peur, c'est-à-dire comme il y avait déjà cette dynamique où les parents ont décidé d'accompagner les enfants à l'école, il fallait donc briser cet élan de succès. Donc je crois que c'est ça le problème. C'est là où se trouve le problème. C'est que l'année scolaire était vraiment un succès. Et nous avons des statistiques des années antérieures. Et alors, comme les terroristes ont toujours voulu prendre l'école en otage, cette fois-ci, ils ont constaté que ça n'a pas marché. Donc il fallait poser cet acte odieux, n'est-ce pas, pour faire peur aux enfants, pour en quelque sorte perturber, n'est-ce pas, cette dynamique qui était déjà en train de prendre corps. Mais nous leur disons que l'État ne sera pas ébranlé. Monsieur le ministre, vous avez parlé de la peur. Nous avons ce phénomène de. Permettez-moi de revenir déjà pour mettre un peu de la lumière sur ce qui a été dit. Vous voyez donc que dans cette discussion-là, peu à temps, j'étais en train d'expliquer clairement ce que je vous ai dit. Donc, il va progressivement partir d'un mensonge pour la simulation à des actions terroristes comme celles que nous avons connues à Paris, aux États-Unis, en Angleterre et dans d'autres pays que vous connaissez. Donc, maintenant, on lui demande par rapport à la peur. Et la question du journaliste qui est en face, lui, est assez pertinente. Pourquoi? Parce que si l'État a réussi son défi, son challenge, qui est de permettre à tout enfant d'aller à l'école, même si on sait tous, vous et moi, que ce n'est pas vrai, parce que la raison, la région, les régions anglophones, n'a pas, non, ces régions-là n'ont pas connu d'école depuis 2016. Les enfants ne vont plus à l'école, c'est une vérité. Sauf que pour lui, de venir dans les régions qui étaient, entre guillemets, soutenues, défendues par l'État, créer cette turbulence-là, encore faut-il prouver que ce sont les Amazoniens qui les ont fait. Ce fait-là démontre que l'État a échoué et ça remet donc en question l'intégrité de l'État et l'existence même de l'État et de la défense étatique. La question donc du monsieur à côté de savoir pourquoi est-ce que les gens préfèrent aller donner leur argent aux Ambazoniens pour leur défense que de se remettre à l'État donc, qui est censé garantir leur sécurité. Parce qu'il a parlé du devoir régalien de l'État, en disant que l'État permettrait, l'État devrait assurer la sécurité des personnes et des biens. Par contre, le journaliste lui demande donc, mais pourquoi donc est-ce que le peuple n'a donc plus confiance en l'État et préfère aller payer leur liberté, leur sécurité vis-à-vis des Ambazoniens? Écoutez la réponse de Paul Atanganji. Propriétaires des établissements scolaires qui se sentent obligés de donner de l'argent aux séparatistes, et pourquoi pas dire aux criminels? Pour beaucoup, ça peut être la raison de cette canage à Koumba. Qu'est-ce que vous dites à ces propriétaires des établissements? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ce phénomène? Alors, c'est ça, je suis content de commenter sur cette affaire-là. Vous savez, y a des personnes qui, soi-disant, achètent, n'est-ce pas, la protection de leurs biens en donnant l'argent aux terroristes. Mais c'est un jeu extrêmement dangereux. Parce que le terroriste n'a pas d'amis. Ça veut dire, ils viennent vous dire, donnez-moi de l'argent, je ne viendrai pas vous attaquer. Vous donnez de l'argent aujourd'hui. Il va dépenser cet argent.
Et quand l'argent finit, il revient vers vous en disant que donnez-moi l'argent. Et si vous dites que vous ne donnez pas, vous immédiatement, vous devenez le cible, vous devenez une cible des terroristes. C'est ça le problème. Donc nous disons aux gens, ne donnez pas l'argent aux terroristes. C'est-à-dire parce que si vous donnez aujourd'hui, vous allez donner demain. Donc nous leur disons, pour la protection de vos établissements, des écoles, des commerces, l'État met en place des mécanismes de surveillance. C'est-à-dire, la mission régalienne de l'État, c'est quoi? La protection des personnes et leurs biens. C'est une mission régalienne de l'État. L'État a ce que je peux appeler le monopole de la violence positive. Voilà pourquoi le policier est là pour vous protéger. Voilà pourquoi le gendarme est là pour vous protéger. Voilà pourquoi l'armée est là pour vous protéger. Donc nous disons aux parents, aux propriétaires d'école, ne leur donnez pas l'argent parce que c'est peine perdue. Vous donnez aujourd'hui, ils reviendront demain pour vous demander de l'argent. Si vous ne donnez pas, bon, vous serez donc la personne à abattre. Monsieur le ministre, vous dites que l'État met en place des mécanismes de sécurité, un dispositif sécuritaire conséquent. Mais comment comprendre que ces assaillants aient pu venir opérer, aient pu venir sévir et puis repartir plus ou moins sans être inquiétés? Alors, je voudrais vous dire que le terrorisme, d'abord, c'est une nébuleuse. C'est-à-dire, lorsqu'on lutte contre les terroristes, on peut dire que c'est une guerre asymétrique. Ou parfois, votre ennemi peut être votre voisin. Et puis, depuis qu'il y a eu cette attaque à Kumba, nous suivons partout, on dit vraiment peut-être les mesures sécuritaires n'étaient pas adéquates, l'État aurait dû faire ceci, l'État aurait dû faire cela, mais ça n'a pas été fait. Mais regardez dans le monde entier, vous savez, les terroristes attaquent partout. Vous avez vu en plein Paris, dans une salle de spectacle, je crois le Bataclan, les terroristes ont frappé, ils ont tué plus de 100 personnes. À Nice, il y a eu plus de 80 personnes qui décédaient. En Italie, en Allemagne, un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, le 11 septembre. Donc, est-ce qu'on peut dire, même à Londres, vous connaissez la réputation de la police de Scotland Yard. C'est une police assez efficace, assez organisée. Vous connaissez la réputation des forces spéciales en France. Vous connaissez la réputation des marines américaines. Mais jusqu'à là, ces grands pays n'ont pas pu prévenir les attaques. Et ça veut dire que les attaques, c'est quoi? Nous avons des cibles, nous avons des chapeaux, nous avons des indices et nous essayons de mettre des garde-fous pour que les terroristes ne passent pas à l'attaque. Mais dès lors que c'est une guerre asymétrique, alors votre voisin peut vous attaquer le soir et disparaître. Donc, vous avez pu comprendre. Donc, dans cette réaction de Paul Atanganji, vous comprenez clairement que Paul Atanganji est en train de dire que l'État, les forces armées sont dépassées. Parce que quand il fait une comparaison avec les actions terroristes de Paris, de l'Allemagne, des États-Unis, il démontre clairement que c'est une guerre asymétrique et il le dit lui-même. C'est quoi une guerre asymétrique? Une guerre asymétrique, c'est une guerre qui n'a pas c'est une guerre au coup dans laquelle les gens n'ont pas le même niveau, n'ont pas les mêmes informations, n'ont donc pas les mêmes armes. C'est une guerre donc qui n'est pas symétrique, parce qu'une guerre qui est symétrique, la symétrie c'est quand il y a une figure qui peut être remise de l'autre côté, quand il y a confrontation entre des figures géométriques, si on prend le cas de mathématiques, qui ont la même forme et qui sont sur le plan miroir, si on peut le dire ainsi. La symétrie, cette main est symétrique à celle-ci, ça veut dire qu'il y a possibilité de les mettre de façon rationnelle sur le même plan. Ça veut dire que ces mains sont équivalentes. Ça veut dire que ces mains ont les mêmes caractères de reconnaissance, sont reconnaissantes, sont reconnaissables par les mêmes critères, de sorte qu'on puisse identifier une main par l'autre main. Alors, dans un contexte comme celui que nous avons au Cameroun, ce monsieur nous explique clairement que l'armée camerounaise ne sait plus qui est l'ennemi, parce que l'ennemi peut être le voisin, parce que l'ennemi peut être ta tante, parce que l'ennemi peut être ton oncle, parce que l'ennemi peut être ton enfant. Et il va le dire, d'ailleurs, dans la suite de cet entretien. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les informations que Atanganji donne, vous comprenez clairement que l'État est dépassé. Mais il faut voir plus loin. Parce qu'en réalité, vous verrez que ce même Atanganji, au début de cet entretien, vous a fait savoir que l'État avait le contrôle. Et que les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'avaient donc pas matière à aller donner de l'argent pour leur sécurité, parce que l'État est le seul garant de la violence, parce que l'État assurerait leur sécurité.
Mais dans quel, ça fait pas deux phrases qu'Atanga Ndiaye a mis ensemble, qu'il est déjà en train de mentir en disant encore au Cameroun en réalité que non, on ne peut pas assurer votre sécurité parce qu'on est en face d'une guerre asymétrique. Parce que dans cette guerre, nous n'avons pas les armes susceptibles de nous permettre de savoir qui est qui dans cette guerre. Donc, à ce niveau, à partir de là, Paul Atanga Ndiaye est en train de demander pardon à la population, c'est-à-dire il les supplie d'assister l'État, d'assister les forces de l'ordre, d'assister les militaires, de sorte que ces derniers puissent compter sur les populations du nord et du sud-ouest pour savoir qui est amazonien et qui ne l'est pas. À ce niveau, Atanga Ndiaye donc reconnaît l'impuissance de l'armée vis-à-vis des Amazoniens. Je reprends ma phrase. Dans ce qui vient d'être dit, vous avez une évolution du discours d'Atanga Ndiaye qui part sur la base où ce sont des terroristes qu'on va écraser comme des puces. En avançant, il fait comprendre que ces terroristes sont des personnes qui sont sans foi ni loi. Il démontre à la population qu'en réalité, ces individus qui viennent vous obliger à leur donner de l'argent pour vous laisser en vie, en réalité, ne sont pas des personnes sur qui, ou bien qui, auxquelles vous pourrez faire confiance parce qu'elles reviendront demain et vous tueront aussi, tôt qu'elles n'auront plus d'argent dans leur porte-monnaie. Mais dans la phrase qu'il vient de prononcer, il rappelle encore à ces personnes qu'en réalité, ni eux, ni nous, ne pourrons assurer votre sécurité. Parce que l'État, l'armée ne sait pas qui est en face d'elle. Parce que l'armée ne sait pas qui est ambazonien. Mais s'il ne faille donc pas, si on ne peut donc pas donner. Alors, si on veut dire, s'il faille éloigner les Amazoniens, ne pas leur donner l'argent pour la sécurité, et que le gouvernement de sa part n'a que des indices pour commencer une enquête qui pourra durer, on connaît tous la durée des enquêtes au Cameroun, c'est-à-dire éternellement, les gens mourront, ils mourront, ils mourront, ils mourront, mais personne n'aura une sécurité assurée. Alors, c'est important que vous compreniez donc que cette partie-là, dans cette partie, Atanga Ndiaye démontre clairement que ni l'État ni les Amazoniens n'assureraient la sécurité de la population. Il démontre donc aussi que la population est perdue au milieu d'une guerre et qu'elle est obligée de choisir. Et que peu importe ce qu'elle choisit, elle va en payer le prix. Suivez la suite, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que la population va payer le prix. Seront toujours là, on prend des dispositions, mais sachant que, comme je vous ai dit, le terrorisme, c'est l'obscurantisme et c'est des gens qui agissent vraiment quand on peut ne pas s'attendre. Bien évidemment, les ont renforcé, les mesures sont là, parfois ces mesures sont même dissuasives. Mais jusqu'à là, bon, soyons honnêtes, les terroristes vont toujours profiter de certaines complicités. Et voilà pourquoi nous dénonçons les complicités. Nous ne gagnons rien. Il ne faudrait pas qu'il y ait des complicités avec les terroristes. Et parce que tant que nous ne les dénonçons pas, tant que, il n'y a pas un front commun contre l'obscurantisme, nous serons toujours victimes de cette nébuleuse qui, malheureusement, menace le monde entier. Collaboration armée-nation, quel défi? Question posée aux journalistes dans la rubrique édito. On peut comprendre qu'une bonne partie de la population ait peur de représailles des sécessionnistes qui vivent avec elle dans ces régions-là au quotidien. Ensuite, il y a au-delà de la peur, la complicité, parce que beaucoup de ces populations partagent d'une certaine manière la cause défendue par les sécessionnistes. Les populations du nord-ouest et du sud-ouest sont prises en étau. En étau, pourquoi? Parce que d'un côté, il y a des pouvoirs publics qui recherchent des rebelles, qui recherchent des assassins, qui recherchent ceux qui sont à l'origine des exactions. De l'autre côté, les responsables, tout au moins ceux qui sont les acteurs principaux, et qui tapissent dans cette zone-là, c'est-à-dire au nord-est et au sud-ouest, sont à la recherche également des populations qui pourraient éventuellement les dénoncer. Ils évitent de dénoncer parce que les lendemains pour eux ne sont pas du tout assurés. L'école de Kumba, par exemple, qui a été attaquée l'autre jour, a une PTS. Et les parents de cette PTS et les anciens de cette PTS, qui en temps normal se réunissent pour protéger l'école, pour l'équiper, pour l'alimenter, pour la soutenir, devraient être les premiers
à l'avant-garde du mouvement de dénonciation, à l'avant-garde du mouvement de sécurisation, de protection de l'école, que ce monde-là, que tout ce monde, enseignants et parents, soit aujourd'hui en retrait, silencieux, me semble quelque chose de pas particulièrement compréhensible, surtout au moment où les exactions se multiplient. Voilà, donc vous avez suivi cette partie. C'était important que je laisse que vous suiviez les points de vue d'autres personnes qui étaient dans le cadre de cet entretien. Je salue tous ceux qui viennent d'arriver et je vous dis, aujourd'hui nous parlons d'un certain décryptage de l'entretien avec Paula Tanganji, le Minat du Cameroun, qui parlait par rapport à l'action terroriste, à l'action inhumaine qu'on a vue du côté de Kumba. Et dans ce contexte-là, je suis en train de dire à ceux qui me suivent que le gouvernement camerounais, par la voix d'Atangandi, démontrait clairement son impuissance et son incapacité à gérer le problème que nous avons du côté du Nozo au Cameroun. Donc, j'expliquais ici tout à l'heure que les prises de parole d'Atangandi montrent, comme le monsieur qui venait d'intervenir l'a dit, le journaliste que vous avez vu, l'avant-dernier intervenant, expliquait que la population est prise dans l'étau. Ça veut dire, comme je vous ai dit, entre les terroristes, entre les ambazoniens, entre guillemets, les sécessionnistes, qui pour moi ne sont pas des terroristes, le gouvernement camerounais avec l'armée, et ni le gouvernement ne leur garantit une sécurité, ni les sécessionnistes. Maintenant, avant que nous ne continuions, il faut donc que je vous explique ce qui se passe, et ce qui pourrait s'être passé, ce qui aurait pu se passer. Ça, on est dans le plan hypothétique. Il est aujourd'hui clair que dans la région anglophone, dans les régions Nozo, les ambazoniens, comme nous les appelons, ne sont pas les seuls. Il y a plusieurs groupes. Nous avons pu observer les divisions internes au sein de ces groupes ambazoniens. On peut donc conclure clairement qu'il y a un groupe qui n'est pas forcément ambazonien, mais qui marche ou bien qui travaille avec le gouvernement camerounais de Yaoundé. Et partant de là, si nous mettons les dédos ensemble, on peut comprendre que l'action de Kumba est une action qui ne profite pas aux ambazoniens ou aux sécessionnistes. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le cadre d'une guerre de sécession, il est avantageux pour les sécessionnistes d'empêcher aux enfants d'aller à l'école, mais de ne pas les tuer. Parce que dans un cadre de guerre, les enfants qu'on tue sont des futurs mains d'œuvre pour une guerre. Vous savez tous que la plupart des pays qui ont connu la guerre, regardez le Congo par exemple, ils ont plutôt enlevé les enfants de l'école pour les obliger plus tard à devenir des soldats pour attaquer le gouvernement en place. Donc, il n'y a donc pas de motif assez soutenable qui puisse aujourd'hui expliquer pourquoi les sécessionnistes vont plutôt tuer les enfants qui pourraient demain constituer la main de vos poulets armés pour attaquer le gouvernement. Donc, il n'y a pas de sens dans ce contexte-là. Quel est l'avantage du gouvernement d'attaquer ces enfants? Moi, je dirais plutôt que c'est d'empêcher que demain, ces enfants se retournent contre eux parce qu'on voit clairement qu'il n'y a pas de collaboration entre la population et l'armée camerounaise. Vous commencez à comprendre un peu. Donc, partant de là, il est donc nécessaire pour quelqu'un comme Atangandi de venir jeter l'opprobre sur les sécessionnistes, disant que ces derniers ont tué les enfants et que cela devait donc raviver la colère des populations camerounaises vis-à-vis des sécessionnistes pour que non seulement les anglophones des régions nord et sud-ouest, mais aussi les francophones du Cameroun et de la communauté internationale, que ces derniers se mettent derrière ou bien qu'ils se mettent à dos les ambazonistes, les ambazoniens, de sorte que ces derniers soient esselés, abandonnés à eux-mêmes et qu'ils soient oubliés et traqués par les instances internationales qui vont donc les considérer comme des terroristes. Vous allez comprendre pourquoi je le dis en suivant la suite de l'entretien avec Paula Tanganji. Monsieur le ministre, il y a un mot que vous avez utilisé lors de votre visite à Kumba, c'est le mot collaboration. Collaboration avec les forces de défense et de sécurité, collaboration avec vos collaborateurs, les autorités administratives. On constate que, mine de rien, il y a eu un lavage de cerveau d'un degré assez élevé dans toute cette zone, Kumba, mais également dans tout le département de Mémé. Qu'est-ce qui justifie cette méfiance des populations, beaucoup qui refusent de collaborer? Bon, je vous dis, au départ, ils pouvaient avoir méfiance. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, sans risque de me tromper, qu'il y a une bonne synergie d'action entre les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives,
Et à chaque fois que nous bénéficions de ce type d'information, on essaye de suivre les cibles et on arrive toujours à mettre main. Donc nous demandons aux populations, la collaboration est très importante. Parce que les populations aujourd'hui constatent qu'il n'y a rien, je dis bien rien de bon qu'on puisse tirer des sécessionnistes, des terroristes. Sauf que c'est des populations qui vivent dans la peur, monsieur le ministre. Alors cette population de qui elles ont le plus peur? Est-ce de l'armée ou alors des terroristes? L'armée accompagne les populations avec leurs occupations. Les terroristes distillent la peur en disant, par exemple, que quand vous envoie un message dans votre téléphone, donnez-moi de l'argent, sinon je viendrai vous chercher demain. Voilà. Voilà pourquoi nous disons aux populations, si vous recevez un message dans votre téléphone, quelqu'un vous dit, venez me donner de l'argent, sinon je viendrai vous kidnapper, donnez le message à la police, à la gendarmerie. Nous avons des mécanismes à travers ce contact de remonter jusqu'à trouver le terroriste. Mais si vous prenez l'information, vous conservez, vous gardez l'information, vous serez ciblé tôt ou tard. Donc nous disons la collaboration. Et la collaboration, c'est une synergie d'action entre les forces de défense et de sécurité, les populations et les autorités administratives. Et d'ailleurs, vous constatez maintenant qu'aujourd'hui, lorsque nous disons, par exemple, qu'on va un peu réduire l'effectif de l'armée quelque part, les populations ne sont plus d'accord. Les populations disent qu'il faut renforcer la présence des forces de défense et de sécurité. Parce que cette présence est dissuasive. C'est une présence dissuasive. Alors, il y a les populations, mais il y a également les forces vives locales, les chefs traditionnels et l'Église. Quel est l'état de la collaboration avec ces différents groupes? Au départ, nous disons-le, au départ, bon, les terroristes bénéficiaient de certaines complicités parce qu'il y avait un double langage. Il y a des gens qui condamnent le jour, mais la nuit, ils sont avec les terroristes. Mais aujourd'hui, vu les dégâts, parce que nous parlons quand même, je prends quelques cas, on a neutralisé un terroriste à Yeke il n'y a pas longtemps. Quand vous regardez le téléphone d'Ayeke, il y a 127 personnes qui ont été exécutées sommairement par un seul terroriste. Quand vous prenez le cas de Fontaine Madoc qui a été neutralisé à Pamela, vous regardez dans son téléphone, il a exécuté froidement 98 personnes, y compris la mère de ses deux enfants. Alors voyez donc, nous disons aux populations que ça ne sert à rien de traiter avec ces gens. Vous devez les dénoncer parce que la sécession a échoué. Monsieur le ministre, quelques jours après ces massacres de Koumba, nous avons vécu une scène où certains séparatistes mettaient de fausses informations dans les réseaux sociaux concernant des tueries à Ombé, certains disaient à Nimé, ce qui démontre qu'ils ne dorment pas pour déstabiliser cette élan prise pour un bon retour de nos enfants à l'école. Nous avons l'impression que l'État ne peut rien contre ces commanditaires-là qui malheureusement ne sont pas dans notre pays. Le Cameroun a des vrais ou des faux amis, sinon pourquoi ils ne sont pas d'accord? Voilà, là nous sommes arrivés à la question fondamentale. Nous sommes arrivés au point focal de notre entretien ce soir. Vous allez remarquer, chers amis, chers sœurs et frères, que dans l'évolution du discours qui est organisé, parce que cet entretien est un entretien qui a été organisé avec le ministère de la Communication, parce que je connais leur méthode de travail, vous voyez que dans la façon de poser les questions des journalistes, il y a une évolution. On quitte du stade camerounais, on quitte du stade du cadre de sécession pour arriver au cadre de conspirateurs et des terroristes. Donc, on parle du Nouzo, d'un problème de Koumba, des enfants qui sont morts à Koumba. On implique ça directement à la sécession. De la sécession, on gradue au niveau du terrorisme. Et maintenant, au niveau du terrorisme, on va internationaliser ce terrorisme-là. Donc, on arrive déjà à dire que les commanditaires de cette action ne sont plus des personnes qui sont au Cameroun, mais qu'elles sont organisées, elles ont conspiré cela et ont eu les mains qui les ont faites du côté du Cameroun. C'est donc important que vous compreniez parce qu'à ce niveau, Paula Tanganji va réussir à régler un compte politique. Paula Tanganji va réussir à régler un problème politique en faisant mentir l'histoire du Cameroun, en faisant mentir la vérité. Je vous rappelle que dans le cadre de l'arrestation de Aliou Tabé, qui a été arrêté du côté du Nigeria, livré comme un paquet d'arachides au Cameroun,
ce qui est une violation internationale, puisque une fois que vous avez fui votre pays et que vous êtes, vous demandez un refuge politique en tant qu'asilant, en tant que réfugié politique, il n'y a pas matière à vous redonner à un pays qui n'assure pas votre sécurité, qui n'assure pas le bien-être des prisonniers, qui torture, qui tue, qui viole, qui détruit des vies. On ne peut donc pas, dans le cadre d'une collaboration internationale, redonner quelqu'un qui demande l'asile politique de cette façon, sans être passé par une procédure juridique internationale. C'est donc de ça que Paul Atangandji va parler. Il va profiter de la situation de combat pour régler un conflit avec Ayou Tabe. Il est important que vous compreniez ces parties. Alors, je vous dirai, je commencerai par une phrase célèbre du président Paul Biya. Il n'y a pas longtemps, il disait devant le corps diplomatique que le terrorisme est une menace globale. Et le chef d'État a précisé, en menace globale, il faut une riposte globale. Ça veut tout simplement dire que si nous sommes tous d'accord que le terrorisme est une menace globale, alors un terroriste qui le Cameroun, qui va dans un pays voisin, ne peut pas rester dans ce pays voisin pour mener une guerre contre son pays. Et je crois que nous saluons ici l'exemple du Nigeria, où il y avait des Camerounais égarés qui sont allés au Nigeria pensant qu'ils pouvaient déstabiliser le Cameroun à partir du Nigeria. Ça n'a pas marché parce que le gouvernement a mis, n'est-ce pas, les a renvoyés en disant que allez répondre de vos forfaits dans votre propre pays. Alors les gens disent que bon, ces gens se baladent, bien évidemment, mais la plupart de ces gens, il y a des mandats d'arrêt. Tous ces gens-là, la plupart, ils sont sur le coup des mandats d'arrêt. Donc, ce que nous disons aux pays amis, je vois que nous constatons d'ailleurs qu'après le massacre de Kumba, pratiquement tous les pays du monde ont condamné cet acte barbare. Mais il ne s'agit pas, il ne suffit pas de condamner. Il faut aller au-delà de la condamnation. Il faut aller au-delà de la condamnation en posant des actes concrets. Ça veut dire que les commanditaires doivent être interpellés et renvoyés au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je crois que nos pays amis, vraiment, qui sont vraiment des pays amis, et le chef de l'État l'a si bien dit, regardez ce qui se passe en France aujourd'hui. On peut égorger dans une église, on peut égorger un enseignant, on peut faire ceci. Ça veut dire, en fait, le président Paul Biya avait vu juste, le terrorisme est une menace globale. Et à menace globale, il faut une riposte globale, donc une synergie d'action. Voilà. Donc, chers amis, vous avez compris. Paul Atangandji est en train de dire que le gouvernement camerounais, parce que je vous rappelle ici que Paul Biya, ce n'est pas Paul Biya. Ça fait bizarre de vous le dire comme ça. À chaque fois que vous entendrez un ministre camerounais, un responsable politique camerounais parler de Paul Biya, il ne parle pas de Paul Biya. Il parle de ce qu'il reste du gouvernement de Paul Biya. Il parle d'un groupe de personnes qui représentent Paul Biya aujourd'hui. Quand vous entendez Paul Biya, imaginez-vous toujours Ngongo, René-Emmanuel Sadi, Paul Atangandji et tout ce groupuscule de personnes qui aujourd'hui traînent cette photo-là. Toutes ces personnes qui représentent en fait ce que le gouvernement camerounais est devenu, la photocratie. Donc quand il parle de Paul Biya, qui lors d'une discussion a dit que le terrorisme était un problème global et qu'à un problème global, il fallait une réponse globale, il est en train de dire simplement qu'il y a eu des accords, il y a eu des pourparlers avec des internationaux, avec des États au niveau international pour soutenir le Cameroun dans la sous-région. Ça veut dire que les dictateurs ont quelque chose en commun, c'est la dictature. Et dans le cadre de leur dictature, du soutien de leur dictature, ils se sont accordés à nuire à ceux-là qui sont des ennemis de leur dictature. Il prend donc un exemple ici pour attirer la lenteur, pour attirer la curiosité, pour amener ceux-là qui voudraient s'engager dans des manœuvres contre l'État camerounais, contre ce Paul Biya qui représente cette photocratie camerounaise, que même s'ils sortent du Cameroun, ils ont des partenariats à l'étranger en Afrique qui leur permettent de mettre la main. C'est cela qui vous quitte le Cameroun. Il fait un parallèle entre les actions menées du côté de Kumba, entre les actions de sécession menées par Ayou Tabe à l'époque et les actions terroristes, par exemple, de décapitation qu'on a vues à Paris, ce qui est injuste. Il confond, il veut amener les Camerounais à confondre
sécessionniste et terroriste. C'est une propagande communicationnelle qui est mise sur pied. Et dans ce contexte, il va aller plus loin en disant que les autres États africains qui n'ont pas été partie prenante de cet entretien avec Paul Biya, la photocratie, devraient s'engager aussi sur ce chemin en leur livrant ceux-là même qui sont à l'international qui voudraient déstabiliser la dictature mise sur pied au Cameroun. Entre tous les États du monde, comme ça, il n'y aura pas de cachette pour les terroristes en ce moment-là. On va neutraliser véritablement le phénomène de ce terrorisme. C'est une nébuleuse qui nuit sincèrement à la stabilité des pays. Alors, pour revenir au Cameroun, monsieur le ministre, pensez-vous que le massacre de Koumba vient briser les efforts de normalisation? Je ne le dis pas, vous savez, c'est ça le but recherché par les terroristes. Mais de l'autre côté, nous avons un État fort, un État stable. N'oublions pas, mais quand les gens ont commencé ces activités dangereuses, c'était des revendications corporatistes, en disant que les avocats n'ont pas ceci, les enseignants n'ont pas cela. Je reçois chaque jour les avocats et les enseignants. Il y en a qui sont honnêtes, qui me disent, monsieur le ministre, vraiment, nous devons dire merci au chef de l'État, parce qu'il est allé au-delà de ce qu'on demandait. Quand ils ont commencé cette guerre insurrectionnelle, ils ont dit que nous aurons, n'est-ce pas, la reconnaissance internationale. Aujourd'hui, force est de constater que les terroristes n'ont aucun soutien au plan international. Et les terroristes ont prétendu qu'ils vont avoir un soutien des pays africains. Aujourd'hui, force est de constater que les terroristes n'ont aucun soutien au plan africain. Et les terroristes ont utilisé les populations comme des boucliers.